Lyon d'Elbazel, c'est l'avenir du raffinage, au-delà même de Fos. Fralib, c'est de savoir si un grand groupe multinational peut faire n'importe quoi sur un site et l'abandonner en laissant ses travailleurs sans solution, alors même qu'une reprise peut exister. Nel Cacao, j'appuierai, alors qu'il y a beaucoup de retard pour répondre à l'investisseur étranger qui s'est présenté, j'appuierai ce dossier de reprise. Et puis enfin, sur la SNCM, j'aurai à cœur, sur les liaisons entre Marseille et la Corse, et d'une manière générale, entre toutes les liaisons entre les deux grandes régions, Provence-Alpes-Côte d'Azur et la région Corse, de faire en sorte qu'il puisse y avoir une régulation sur ces trafics. On voit bien qu'il y a un certain nombre de multinationales qui veulent fermer des sites sans qu'ils puissent être repris, en emportant la marque, en emportant le savoir-faire et en empêchant que tout autre concurrent puisse s'installer sur le site qui a été abandonné. Eh bien, ça cessera après le 6 mai. D'abord, l'insécurité, elle fait partie du quotidien, hélas, de beaucoup de Français, et notamment ici, à Marseille. Et ce n'est pas parce que ce n'est pas un thème qui s'est vraiment introduit dans la campagne qu'il n'est pas, en tout cas pour ce qui me concerne, prioritaire. Je comprends que le candidat sortant n'en fasse pas beaucoup sur ce sujet-là. Il avait tant promis et si peu tenu, et notamment à Marseille. C'est vrai qu'il y a plus de policiers qu'ailleurs, mais il y a plus de délinquance qu'ailleurs. Il y a des violences qui ont progressé de 15% l'année dernière. Donc nous sommes dans des situations extrêmement graves. Moi, je considère qu'il ne peut pas être accepté de laisser des effectifs policiers diminuer sur Marseille. Ce qui est le cas. 400 postes ont été perdus depuis 2007. Donc je remettrai des effectifs de police. Est-ce que ça veut dire que c'est la solution et qu'il n'y aurait rien d'autre à faire? Non, il faut lutter contre les bandes, les trafics et agir, j'allais dire, à la fois au plus près et à la tête de ces réseaux et de ces trafiquants. La justice doit aller jusqu'au bout. Après, elle conclura en toute indépendance. Si pour permettre à ce que la justice fasse ses investigations, il convient de lever cette immunité parlementaire, moi, j'y suis favorable. Après, c'est au Sénat d'en décider, mais rien ne doit entraver le bon fonctionnement de la justice.